Voici ce qu'il reste de cette maison, détruite par les flammes. Le propriétaire, qui habite à quelques mètres, a été prévenu par une voisine aux alentours de 5 heures du matin. Il peine encore à réaliser. Ce que vous voyez là, c'est les flammes tout commencé à brûler, et ça a brûlé après, et c'est parti jusqu'à l'autre bout là-bas. C'est comme ça. Cette voiture calcinée au milieu des ruines serait à l'origine du sinistre. Après une sortie de route, elle se serait encastrée dans la grange. Le conducteur est décédé dans l'accident. On a un véhicule qui circulait sur la RD 817 dans l'axe de Tarbes vers Pau et dont la trajectoire a dévié pour venir heurter le bâtiment qui se trouve derrière moi. La violence du choc a provoqué un début d'incendie. Un travail d'identification de la victime est en cours. Les locataires de la maison, une femme et trois enfants, ont été évacués sains et saufs. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Morlas pour définir les circonstances du drame.